Et salut à tous, c'est Playfrit et on se retrouve pour quatrième épisode. Je ne sais déjà même plus le nombre d'épisodes, c'est incroyable ça. Le quatrième épisode, pardon, sur Payton Cube. Donc pourquoi ça a du mal à charger? Alors on est quand même pas mal sous serveur, donc à mon avis c'est peut-être ça. Bon, c'est pas trop grave. Voilà, c'est mon PC qui a du mal à charger. La connexion peut-être? Étant donné que je suis en train de télécharger une mise à jour peut-être? C'est fort possible. Bon, prenons un petit peu de nourriture. Qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller terminer notamment le donjon. Alors je me suis rééquipé hein, avec pas grand-chose à vrai dire. Le casque il est un peu pourri. Je vais essayer quand même de voir. Ah non, j'ai pas de level d'enchant donc ça servira à rien. Donc je vais aller déposer tout ce qui ne me sert à rien, c'est-à-dire... Pioche fortune, mon avis, non, on mine pas de toute façon, donc c'est vraiment purement... Alors, l'arc, je vais peut-être le garder, tiens, j'ai quand même pas mal de flèches, j'ai un spawner, j'ai aménagé, entre guillemets, hein, parce que c'est vraiment de l'aménagement vite fait, hein. Je vais vous le montrer d'ailleurs l'aménagement, ça va être, je crois que vous allez bien rigoler à mon avis. Je vais quand même peut-être garder ça, les bouteilles, j'en ai pas besoin, les os... Idem, et ça, le shulker si, par contre le shulker j'en aurai besoin, et à mon avis je vais vider l'autre. Parce qu'on avait vu dans l'épisode d'avant que les shulkers... Ah merde, c'est vrai que... Attendez, je vais faire comme ça, accroupi, hop, parfait. Les shulkers, ça se remplit, enfin il y a pas mal de... En fait j'aurais dû le vider, enfin. Ça se remplissait plutôt vite, les coffres. À mon avis, j'aurais pas cette coffre, donc je vais faire un 2... Non, avec 2 jassés. Voilà, alors j'ai vu qu'il y avait des bouquins de désenchantement, donc à mon avis, je vais voir pour désenchanter ça. Alors, je sais pas du tout comment il fonctionne, je sais pas du tout si je vais récupérer les enchants, je sais rien du tout. Mais j'ai vu qu'il y avait ces bouquins-là, donc à mon avis, je vais essayer. Ah, on a affaire aux copains. Ouais, super. Bon, les os j'en ai pas besoin, le bois j'en ai pas besoin, à la limite peut-être garder les torches. Et à mon avis si, du bois j'en aurai besoin. Oh mais non, hein, c'est sérieux là. Bon ça fait longtemps que j'ai pas dormi à mon avis, hein. Ça fait même très longtemps que j'ai pas dormi. Niveau nourriture ça va, écoutez je vais prendre les pommes d'or parce que je sais que je vais un petit peu en chier. Ah oui, les flèches il me les faut. D'office. Voilà, le shulker. Tiens, est-ce que... Ah, shit. Si je vise à côté. Ça va quand même loin, hein. Et le golem de fer qui essaie de les avoir. Tiens, est-ce qu'il peut le one-shot, le golem de fer? Non. Hop, raté. Raté. Attendez, si je le ramène vers le golem de fer... Oh oui! Oh! Oh, les golems de fer, il est tout shot! Vas-y, moi je reste avec eux. Oh oh oh, attends. Golem de fer. Voilà. Oui, je suis un peu fatigué, vous inquiétez pas, c'est normal que je pète des câbles. Oh, mais allez, sérieux, golem de fer, tu m'as pas aidé là. Vas-y. Non. Ah non, je croyais. Donc, j'ai un shulker. Un deuxième shulker. Et je pourrais même en avoir un troisième. Alors oui, le bois, ce bois-là ne fonctionne pas. Donc je pourrais pas en avoir un troisième. Oui, pour une raison qui m'est obscure, le bois de chêne, quand je fais les coffres de chêne comme ça, ça ne marche pas. Pour faire le shulker. Je n'ai pas très bien compris pourquoi. Mais c'est pas grave. Alors oui, du bois. Parce que sinon, je pourrais pas faire des machins. Voilà, alors... mince, j'avais fait... Ah bon, bah je vais devoir retourner au home château. Alors, je vais vous expliquer un truc, je vais déménager. Ici, ça va pas être l'endroit en fait pour finir où je vais faire le château. Je vous montrerai l'endroit dans le prochain épisode parce qu'il faut que je fasse un petit peu de dessin en fait, on va dire ça. Bon, ben bah, on va redescendre en mode YOLO alors dans le donjon. De toute façon, on avait déjà exploré une grosse partie donc... C'est vrai que si ça génère comme ça, ça va être galère là. Je sais pas si c'est mon ordinateur qui galère à générer, ou ma connexion qui a... Oh... Je sais pas si... Ouh, c'est peut-être le serveur.
Je sais pas combien est-ce qu'on est sur le serveur du coup. Mais bon, pas trop grave, on va descendre, on va manger un petit peu. Voilà, et on est parti. Je voulais mettre aura de feu sur mon épée, mais j'ai pas encore buté un 3. Donc je vais d'abord attendre d'avoir buté un 3. Et quand j'aurai buté un 3, si je peux mettre aura de feu, 2, je mettrai aura de feu, mais sinon, hors de question que je le mette. Voilà, par contre, je sais plus du tout par où on était passé. Voilà, un petit poulet, vite fait. J'avoue que des bottes avec... Il n'y a pas d'enchant qui améliore la vitesse, hein, il me semble, quand on court. Il y a des potions, mais ce serait bien d'avoir les effets de potions. Alors, pas tomber dans le trou. Non, ça va peut-être. Non. Aïe aïe aïe, par contre, pour retrouver le... La descente. On était passé par ici, il me semble. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout du tout. Alors je suis... Vous voyez, hein, c'est extrêmement... Bah il est là. Je suis passé devant, quoi. Ah, c'était des coffres. Ah oui, d'accord. Donc effectivement, j'aurais peut-être dû garder quand même. Voilà, alors je récupère bah, toujours les œufs. Je vais peut-être récupérer... Non, les fioles, non, ça sert à rien. Cette merde qui est con. Allô? Ah oui, parce qu'en plus, c'est pas... Il n'y en a pas qu'une seule, en fait. Ah oui. Bon, ben, j'ai perdu les coffres. Tant pis. C'est pas grave. J'ai fait le bête. J'ai été bête. C'est pas grave. Tant pis. Bon. C'est ce que je dis. Je suis fatigué, en fait. Hein. Alors, à mon avis, pour redescendre... Ah ben voilà ici. Alors, si je prenais les torches en main, ce serait peut-être plus facile pour torcher. J'étais pas encore descendu ici. Tiens, ça alors. Ah, une petite, un petit endroit très intéressant. Et évidemment, j'ai pas de hache. Donc évidemment, je pars. Évidemment, je pars sans rien. En pensant que j'aurais besoin de rien, sauf qu'en fait j'ai besoin, hop, de torches. Alors encore cette petite endroit là. En fait j'ai visité le donjon mais genre à moitié quoi. C'est si j'ai bien compris. Oh les donjons sont tellement grands. On s'est pas monté dans celle-ci aussi. Je sais plus ce qu'on avait trouvé d'intéressant dans l'autre. De l'or, c'est toujours intéressant, surtout pour le PNJ. Le prêtre, hein, parce que le prêtre il prend beaucoup. Voilà, je torche un maximum parce que... Donc on est d'accord que j'ai détruit le spawner en dessous, moi. J'ai fait le con. Non, j'ai gardé le spawner en dessous. Ça veut dire que j'ai un double spawner ici. Oh, mais c'est des araignées. Heureusement, j'ai ma pickaxe. Voilà. Voilà, c'est pas intéressant. Ça aurait été un spawner à squelette, ça aurait été hyper intéressant parce que je cherche en fait le combo squelette et zombie. Mais il y a deux, ah, mais y a deux spawners à zombie en fait. Donc ça peut être intéressant si les deux spawnent. Comment est-ce que je peux faire? Il faut que je fasse très attention à pas toucher. Non mais. Ah oui, c'est vrai, ces mobs-ci, ils ont des... Ce coffre ici, je vais les récupérer. Ce coffre-là, je vais les récupérer. Les deux coffres ici, j'en ai récupéré aucun. Voilà. Tout ça était quand même pas mal intéressant. Après, le spawner est un petit peu loin de mon spawner à squelette que j'ai mal aménagé, évidemment. Hop. Voilà. J'aurais dû vraiment faire, par contre, faire de la nourriture un peu plus poussée. Et peut-être aussi sécuriser le spawner. Ça aurait été éventuellement. Ça pourrait être pas mal quoi. Alors j'ai vu qu'il y avait. Ah, il y a une petite faille ici. Est-ce que ça mène vers quelque chose d'intéressant? Ah, des squelettes. Oh, est-ce qu'il y aurait un spawner à squelettes? Parce qu'à ce moment-là, j'ai trouvé mon endroit. Ah, mais je suis déjà passé par ici. Ce spawner-là est inattaqué. Ah, oh, c'est un spawner à squelette, mais énorme!
Ouais, il suffisait de le demander pour l'avoir. Ah, j'ai plus de... J'ai déjà plus de torches. Les torches passent à... les torches passent à une vitesse. J'ai ma langue à foucher. Voilà. Ok. Donc là, on peut descendre et à mon avis, on va descendre. Parce que le but, c'est de terminer quand même ce donjon dans cet épisode-ci. Quitte à que je fasse des accélérés de malade. Par contre, j'ai la moitié de l'escalier et je suis censé en fait rentrer là. Sauf qu'en fait, je peux descendre plus bas. Et c'est là qu'on voit quand même qu'on peut descendre jusqu'aux enfers. Hein. À mon avis, ça va en chier. Comment est-ce que je peux faire? Parce que moi, le but, c'est quand même de vous montrer qu'en descendant, c'est de plus en plus intéressant. Je vais utiliser l'escalier. Hein, côté... Ah, mais j'ai pris des... Ah, il y a l'eau qui s'est qui a pop. Shit. Ah, mais non, c'est vrai. À côté du cube dead. Ah, non. Bon, ben, vous verrez pas l'étage au-dessus. Hein, écoutez, voilà. bah non, bah tant pis. Je vais pas remonter juste pour vous montrer, ça sert à rien. Voilà, là je veux juste continuer à descendre en espérant. Voilà. Alors, bon, ouais, bon, le coffre ici n'est pas forcément plus intéressant, sauf que vous voyez que maintenant on a en plus de la lapis-lazuli. On a des, bon, ça donne toujours des trucs comme ça qui servent à rien, mais je vais vous montrer à un moment donné, ça va être beaucoup plus intéressant. C'est déjà très intéressant. Tranchant 3, protection 3, puissance 4, on est déjà pas mal là sur les enchantins. C'est déjà pas mal ça. Alors, par contre, cette eau, je crois qu'elle va me saouler. Et faut faire très attention au trou. Ah, j'ai déjà trouvé la descente. Ok, bon, on va quand même visiter un petit peu. À mon avis, je devais arriver par là en fait plutôt. J'ai Wall of Tank qui s'est mis. Ah non, vous le voyez pas. D'accord, oui, c'était la mise à jour de World of Tank en fait. Hein. Ah oui, d'accord, ok. D'accord, mais pourquoi je remonte en fait? Donc en fait, je devais arriver par là, à mon avis. Donc, on va continuer à casser ça. Hein. Cette pickaxe rance. Attends. Picarang, c'est ça, c'est un boomerang pickaxe en fait. Elle est géniale, elle est d'une praticité. Par contre, ouais, là, je passerai pas. Bon, c'est très bizarre comme endroit. Celui-ci est vraiment pété de partout. À mon avis, ça va être difficile de visiter cet étage-ci sans tomber dans un trou. Donc, à mon avis, je vais descendre directement. Ça sert strictement à rien de rester. C'est là qu'on va se dire au revoir, hein, parce que c'est. À mon avis, ça va déjà commencer à chier. Alors, je suis jamais descendu aussi bas. Pour tout vous dire, j'étais déjà descendu dans un truc, dans un donjon. Assez bas, mais jamais aussi bas. Alors, est-ce que c'est des spawners à araignées? Ouais. Est-ce que le spawner à araignées, je le garde? Non, j'en ai pas besoin. J'ai vu un deuxième spawner, ouais. C'est des spawners à araignées, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas de PNJ qui prennent, qui prend le... Alors, dommage, parce que ce... En fait, il a spawné dans une faille, et du coup, le donjon est vraiment pourri, maintenant. C'est dommage. J'aurais bien voulu vraiment vous montrer. Au moins, je vois pas de la soul sand ici. Question, est-ce qu'il y aurait dans les coffres des blaze rods? Ce serait génial ça. Pourquoi ce sont des. Pourquoi ce sont des zombies du désert? Comment on les appelle encore ça là? Oh. Bon, d'accord, il y a trois zombies qui viennent de spawner. Donc ça veut dire qu'il y a deux spawners à zombies. Oh, ça peut être pas tant par contre, plus intéressant. Alors, c'est pas ma connexion qui lag, c'est vraiment le serveur à mon avis qui lag parce que vu comment les mobs sont hyper lents. Ah ouais, mais d'accord, on est sur trois spawners à zombies. À mon avis, c'est un endroit très intéressant ici pour faire un truc à spawner. À mon avis, je vais même péter un point. Regardez, il y a trois spawners l'un côté de l'autre au niveau de zombies là. À mon avis, je vais péter le... spawner zombie 3. On va sauver, on va le mettre en vert. Voilà. Parce que là, c'est hyper intéressant par contre. Je vais même mettre un setome en fait, et à mon avis, je vais l'aménager.
On va l'appeler le zombie. Hein. Parce que là, c'est. Alors, je me répète, hein, je suis désolé. Oh, une pomme dorée enchantée. Ça fait longtemps que j'ai plus vu ça dans Minecraft. Tellement longtemps. Par contre, je sais pas si vous entendez. Mais il y a l'air d'avoir beaucoup de zombies. Ah, cette fois-ci, j'ai l'impression qu'il a déjà été visité. L'avantage, c'est qu'il y a une bibliothèque. Alors. Donc, encore un spawner à. Hop, hop. Ah merde, non. En plus, c'est des araignées venimeuses. Par contre, ouais, elles sont hyper lentes. Y a pas tant de spawners que ça, en fait, hein. Oh, what the. Qu'est-ce que c'était que ça? J'ai rêvé ou on a vu un truc que j'ai jamais vu? Ouah, par contre. Ah oui, il y a peut-être pas plus de mobs, mais alors les mobs sont d'un niveau stuffé. Oh, je vois déjà le truc venir. Spawner à squelette. Donc non seulement j'ai les os, mais en plus des os. Ouais, non, je vais aller à la. En plus des os, on peut avoir du stuff en fer, donc je peux récupérer des pépites en plus. Farm à fer et à squelette. Oh, je vois le pognon que je vois. Par contre, oh, il y a un spawner. Ah, ben voilà. À mon avis, je vais garder cet endroit-ci. Parce que là, j'ai les deux spawners que je voulais. Le squelette, les zombies. Et en plus, ils sont stuff de malade. Comme ça, on récupère du fer. Ça fait zombies. Squelette, alors par contre, je vais garder les spawners, tiens. J'essaie de tuer la. Voilà, parce que j'aime vraiment pas ces petites araignées-là. Elles empoisonnent et l'empoisonnement, c'est chiant. Je l'ai cassé le fil, on est d'accord. Wouah, par contre. Oh, si, il y a quand même beaucoup plus de spawners. J'ai plus de torches, déjà? Oh merde. Incroyable comme ça part une de ces vitesses les torches. Non mais vous entendez le nombre de mobs qu'il y a? C'est quoi ces petites bébêtes là qu'on voit en dessous? Bon attendez je mange parce que sinon. En fait ils sont tellement lents que j'ai le temps de manger en fait. Non, pas le creeper. Le creeper. Oh, c'est pas possible. Regardez-moi ça. Et vous entendez tous les mobs qu'il y a? What? C'est quoi ces petites bestioles? C'est quoi un spawner à spawner? Hop, je l'ai vu. Là aussi, apparemment, il n'y avait déjà plus rien, donc apparemment. Bon, par contre, je trouve pas de coffre. Mais j'aurais bien voulu des coffres, en fait, pour voir s'il y avait des loot du style. Attends, je vais casser les spawners. Non, mais l'araignée passe pas devant, toi. Alors, je vois des Undermine. Un Underman, c'est ça? Il y a un spawner Underman dans le donjon? C'est possible? Oh. Oh, mais c'est pas possible. Et regardez tous les mobs qu'il y a en face. Je sais pas si vous pouvez. J'ai pas. J'ai appuyé sur la touche pour zoomer, en fait, avec Optifine. Sauf que j'ai pas Optifine. Oh non, c'est pas possible. Attendez, je vais casser les spawners là parce que. Ah, est-ce qu'on commence à être. J'aimerais bien. Vraiment. Je crois qu'on finira. Oh, merde, il brûle en plus. Oh mais non, 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 non. Attendez 2 secondes, là ça va pas ça. Horrible, ça devient pire. Alors heureusement ça va, j'ai un plutôt bon stuff. Bah, je suis déjà plein. Ah ouais, ça va. Heureusement que j'ai un bon stuff parce que à mon avis, ah oh, super des coffres. Enfin, bah, il était temps. Est-ce qu'il y a des, non, il n'y a pas de. La déception. J'aurais tellement voulu. J'ai trop de trucs, ça va pas.
J'aurais tellement voulu avoir des châtiments, on chercherait pas. Oh, oula. Vous voyez le petit fortune 2 là? Ça c'est toujours intéressant. Surtout que j'arrive pas à avoir le PNJ avec fortune. Parce que j'essaie désespérément d'avoir un bibliothécaire avec fortune. Impossible d'en avoir. J'arrive pas à l'avoir et je comprends pas comment ça se fait. Bon, je voulais utiliser l'arc, mais là-bas, bon. On n'en avait vraiment pas utilisé. Torche, je garde, ça, je vais mettre là. Le truc que je vais laisser dans les coffres. Genre les stuff. Mais ça, je vais récupérer ça par contre. Ça, c'est hyper intéressant. Par contre, pourquoi. Ah non, je crois que j'avais vu la torche là-dedans. C'est bien fortune 2, hein, j'ai récupéré. Ouais. Ça, par contre, c'est. Imbécile. Ça, c'est hyper intéressant. Je me demande s'il y a encore des étages en dessous. Oh, ça aussi, c'est pas mal intéressant. Oh, butin 2! Alors, il n'y a pas beaucoup de coffres dans ces étages-là, apparemment, mais les coffres sont intéressants. Et à mon avis, je vais pas. Ah, je me suis fait avoir. Je vais vraiment. Alors là, je vais rusher. Je vais rusher parce que je veux voir jusque où ça va. Est-ce que c'est. Oh, quelle jolie grotte. Mais à mon avis, on peut pas descendre plus bas, à mon avis. Je crois que je suis au maximum de la grotte. Je crois que les enfers, c'est tout, en fait. Par contre, c'est dommage alors parce que j'aurais bien voulu. Chaque fois, je me fais. J'aurais bien voulu avoir des coffres avec. Ouais, par contre, les squelettes avec le poison. C'est pas une bonne idée. Allez, mange! Ah, ça l'est tellement. Attendez, parce que. Oh, et j'ai encore. Pas possible, hein, ça. Ah, j'aurais bien voulu voir si on pouvait descendre plus bas. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Parce que c'est bien, je suis passé devant deux fois, mais. Ah, mais si! Attendez 2 secondes. Attendez, je remets la porte. Voilà, comme ça, je suis pas embêté. Parce que je vais, à mon avis. Je déteste l'effet de. Bon, déjà, on a des fumoirs. On a des fours. Et. Non. Ah non! Oh la. Algue séchée. D'accord, ça j'avais pas encore. Oh la déception, je pensais qu'il y aurait du. Parce que vous voyez, on dirait une petite forteresse à potions, mais il n'y a pas. Allez, hein, comment on appelle? Netherwart. C'est ça que je voulais en fait. Ah, la déception. Bon, je cherche vite fait si on sait pas descendre plus. J'arrive pas à reprendre mon épée en main. Ah voilà. Ah, c'est vraiment long, hein, cette histoire de d'enchante là. Mon avis, je sais pas si on sait descendre vraiment plus. Je vais essayer, hein, je vais trouver, hein, il y a peut-être moyen. Hein. Ah, il se fait tout noir ici. Ah, je vais pas aller par ici. Voilà, j'ai foncé comme un tarde. Non, à mon avis, je suis pas passé par ici. Pas du tout. Vas-y, je fonce. Je fonce. Je fonce. J'ai dit que je fonçais comme un tardos. Non, ben à mon avis, on descend sur cette grotte-ci. Écoutez, je vais tricher. Oh. Je vais faut tricher, moi. Perforation. Protection contre le feu. Tranche en 4. À mon avis, je vais avoir des trucs pas mal. Non, pas le creeper. Non. Non. Je suis mort. Ça va être la merde pour aller chercher le stuff. Alors, comment est-ce que je vais faire? J'avais fait un home zombie. Oh mais non, mais c'est sérieux là. Oh. Est-ce que j'ai perdu l'autre ton du coup? Ah, il n'y avait pas d'objet, d'accord. Bon, écoutez, je vais arrêter l'épisode là. Voilà, on va terminer sur cette petite. Ah oui, c'est vrai. Effet fantôme. Excellent. Excellent. Bah d'ailleurs, vous voyez du coup l'endroit où je vais être. Attendez, je vais aller juste là parce que je trouve ça drôle. Mais. What?
Pourquoi tous les homes? En fait, le serveur est tellement lent que chaque home en fait va me faire tomber dans le. Ça, par contre, c'est pas cool, ça. Bon, c'est pas grave, on va terminer cet épisode-ci sur ça et puis voilà quoi. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre tous les épisodes. On fera pas de donjon dans le prochain épisode, hein, je vous dis tout de suite parce qu'il faut peut-être pas exagérer non plus. Mais je vous montrerai, à mon avis, je ferai un coffre avec les loots où je mettrai un screenshot avec les loots que j'ai eu. Les plus beaux loots, hein, évidemment, je vais pas vous montrer tous les loots parce que les trucs, hein, le zombie et tout, on s'en fout. Voilà, n'oubliez pas de lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis rendez-vous pour un prochain épisode. Bye bye!